Oh Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek en mode. Alors, moi, c'est le 1er novembre, donc du coup, demain, je crois qu'il y a un truc, donc ce sera après-demain, ça risque d'être le 2. Et en fait, je pense que l'autre, il n'a pas fait de bruit toute la matinée, il attend juste que je commence pour commencer à sortir la perceuse. Donc tout va bien. Bon, j'espère que vous allez bien, ici tout va bien. Bon, pas trop en fait, il faut quand même qu'on parle, c'est que je pense qu'on reçoit peut-être un peu trop de produits en ce moment. Et j'ai un peu trop de retard, on en reçoit, j'en ai encore reçu deux ce matin, deux hier, deux qui arrivent tout à l'heure. Ça commence à être un petit peu tendu, il faut que j'arrête d'accepter des trucs, tout et n'importe quoi. Enfin, surtout tout, parce qu'on reçoit quand même beaucoup de produits et vous allez en avoir vraiment 7 jours sur 7 et peut-être même 2 par jour parce qu'il y a des marques qui mettent la pression. Toujours dans le mode Non, mais c'est gratuit, mais il faut que ça soit absolument pour le 1er novembre. Je dis Bah non, attends, ça va. Alors. Dans l'ordre un peu, hein. Nom de Dieu. Bon, allez, aujourd'hui, trêve de blaguerie, on va parler un petit peu d'une caméra voiture ou une dashcam. Alors attention, elle n'est pas à 45,99€ parce qu'elle nous a donné un code promo. Elle est à 28,99€, soit 29 29€, à savoir qu'elle est en vente sur Amazon, donc avec les garanties là Amazon. Du coup, ils font le tampon, et hein, si elle tombe en patte, hop, ils te Et c'est eux qui te l'envoient, et tu leur renvoies à eux. Enfin bon, du coup, c'est assez intéressant, même si elle est pas le plus cher que tu pourrais trouver en Chine, encore, je veux dire à 5 euros près. Mais au moins, voilà, bon, elle est sur Amazon. Donc c'est la marque, soit, soit qui, soit qui. HD qui lui propose une petite caméra, une dashcam. Alors, c'est vrai que j'ai jamais été trop fan des dashcams, si ce n'est en regarder, je pense, comme vous dans les, toutes les, les vidéos russes, pour regarder un petit peu ce qui se fait euh, chez les Russes et les accidents, les machins comme ça. Alors, attends, je trouve le bouton on. Parce que là, je suis un peu loin. Elle est là, voilà. Donc, soit tu la mets en route à la main, soit tu la mets en route directement euh, bah, via l'allume-cigare. Alors, à savoir que dedans, il y a une batterie qui est, euh, qui est intégrée, mais qui est ridicule, hein. Euh. Voilà, donc là, on voit, elle est encore chargée un peu ou pas Bien, voilà, bon, là, la batterie est chargée, c'est-à-dire que tu peux t'en servir comme caméra portable, mais c'est pas vraiment le but. Et après, je vais vous expliquer un peu pourquoi il y a une petite batterie, mais tout une toute petite batterie. Donc, bon, c'est une caméra voiture, on ne va pas vous refaire un peu le, le détail, vous ne connaissez -ce pas, c'est vous la mettez sur votre pare-brise de votre voiture. Dès que vous allumez le contact, hop, elle reconnaît qu'il y a du courant via l'allume-cigare, elle se met en route et elle enregistre. Voilà, dès que tu es un contact, elle voit qu'il n'y a plus de contact, donc du coup, là, l'intérêt, elle reste sur batterie. Euh 3 secondes et demie, c'est ce que je veux dire. Elle met sur batterie et elle s'éteint. Ça veut dire que les fichiers restent bien enregistrés. Tu peux la mettre également en détection de mouvement, en détection de shot, dire tu peux la mettre sur un parking, tu la mets dans ta bagnole, en parking, en mode veille. Détection de mouvement, ça veut dire que s'il y a un mouvement ou quelque chose qui passe devant la voiture, elle va se déclencher, elle va enregistrer. Bon, il y a plusieurs modes qui sont plutôt sympas. Donc elle enregistre, ils nous disent en Full HD, un grand angle de vue de 170 degrés, vision nocturne. Cette cam tableau de bord. Viens, hein, hein, hein. Alors bon, la netteté en vision nocturne, je ne suis pas convaincu. Normalement, il faut des petites LED infrarouges hein. pour la vision nocturne. Euh, on verra ça tout à l'heure parce que je fais des vidéos. Vous inquiétez pas. <laughs> Rest, reste un peu, tu vas voir, ça va bien se passer. Euh, lecture automatique, c'est de euh, prend en charge la carte mémoire jusqu'à 32 Go. C'est vrai. Euh, de écran 2,7 pouces pour bon, après tu peux faire les régler tu peux la mettre en français machin et tout bon rien d'exceptionnel ni de fou tu peux lire les vidéos elle va enregistrer un petit peu de son et tout dans la boîte tu retrouveras la caméra tu retrouveras un petit chargeur voiture enfin un petit chargeur voiture, avec un câble de, de 20 km parce que en fait tu la mets sur ton pare-brise donc du coup le câble est en haut voilà Attends, le, la micro SD est en bas papa pas maman est en bas papa est en haut Ma papa est en haut, maman est en bas. Qui fait du choc C'est un des deux, <laughs> c'est là. Bon, la micro SD, dans tous les cas, tu clips sur le machin ici, là, hop, tu mets ça dessus, tu mets sur ton pare-brise. La micro SD est au dessus, donc c'est la micro SD. -dire que tu pourras mettre une batterie externe ou le câble qui est livré avec. Et ensuite, en théorie, tu remontes sur ton pare-brise. Alors est-ce qu'on le voit ici euh, Sans plus, hein. ils n'expliquent pas. Ils auraient pu. hein. Faux Donc du coup tu la mets comme ça, là tu la mets, tu mets le câble en haut, tu le fais dans les joints du pare-brise, tu le fais contourner, hop, tu reviens sur le tableau de bord et tu mets dans la prise allume-cigare. Bon, rien de, nous on l'a mis à l'arrache parce qu'on a fait le test hier. Avec ça il vous donne une espèce de, de fixation. Alors c'est un autocollant. Alors heureusement c'est un autocollant 3M chinois. <laughs> vous allez vous comprendre pourquoi. Un, alors moi, j'aurais préféré une ventouse, comme ça tu peux l'enlever le mettre. Mais bon, au moins l'autocollant il tient. Il tient bien mais pas trop <laughs> Ça veut dire il tient bien Et après le soir Quand on a voulu l'enlever S'il fallait que je fasse la vidéo Je me suis dit quand même Ça a l'air assez costaud Mais ça va C'est du 3M chinois Ça se décolle Ça va <laughs> Tu vois j'ai pas niqué le pare-brise Bon ça va Ça colle bien Ça va tenir Mais euh, tu pourras l'enlever quand même Une fois ou deux Jusqu'à ce que le scotch Après tu mets du double face euh, Que t'achèteras où tu veux Évite la marque repère Évite la marque EcoPlus. <laughs> Mais sinon, tu peux mettre ça. Bon, après, nanana, la caméra est à 45,99€. Elle nous a donné un code promo qui est ultra compliqué, que vous trouverez dans la description, 7XW. Alors, bon, en attendant que je te mets le code promo, ce qu'on va faire, comme je te sens que tu es un peu énervé, je te mets la vidéo qu'on a fait. Euh, voilà, donc là, elle est en lecture. Je te mets la vidéo qu'on a fait hier. Voilà. Donc là, le compteur compte. Voilà, là, tu pourras avoir un peu la qualité. Alors, le code, c'est 7XW8Y34E. Voilà, bon, c'est pas encore une fois, c'est pas dingue. Donc, du coup, tu la mets dans ta bagnole en haut, et là, comme nous, dans le village, on la met, on part. Bon, bah, du coup, le cadrage, hein, on... tu vois un peu ce que ça fait, mais l'essentiel. Alors, c'est vrai qu'on voit super large, et c'est une chose qu'on verra, par exemple, si, euh, si je peux avancer un peu, voilà, sur la route, ici, en Thaïlande, bien évidemment, parce que j'habite en Thaïlande, ceux qui le savent pas. Donc, on a vraiment un angle qui est super large, et on voit quand même bien les bagnoles, on voit bien le danger. Encore une fois, à quoi ça sert une dashcam une caméra voiture, ça sert surtout pour les accidents. Parce que si vous avez un accrochage avec une bagnole et que le constat à l'amiable euh, va vite virer en votre défaveur si vous ne connaissez pas le code de la route, et ben du coup là, comme ça, ben, vous avez une preuve, vous pouvez l'envoyer à l'assurance. Pareil pour la police, pareil pour un chien qui a traversé, un gamin, machin, ça met un petit peu en cause les responsabilités. Ça marche très très fort aux États-Unis, ça marche très très fort en, en Russie aussi. On voit ça dans les dashcams. En France, pas trop. Pendant un moment, on en avait fait un petit peu en Chine où. Certaines personnes avaient dit oui, j'ai contacté mon assurance, ils m'ont dit que si j'avais ça, je pourrais avoir une petite remise. Il faut négocier avec votre assurance ou pas, mais ça peut payer les euh, 28,99€ de la caméra. Ce que je veux dire, s'ils si te font un prix en disant, ils te font 30€ de remise euh, sur deux ans pour avoir une dashcam pour pouvoir enregistrer, c'est bien. L'intérêt, encore une fois, c'est que ça enregistre en boucle. Tu vas la mettre dessus, tu fais des... Moi j'ai mis des fichiers de 10 minutes, tu peux mettre des fichiers de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Alors moi je voulais des fichiers de 10 minutes pour éviter de vous en mettre 10 à la queue-le. Comme ça, en fait, on, du coup, ils disent, si euh, tu enregistres des fichiers de 2 minutes. Oui, bah c'est bon, ouais, bah ouais. ouais, ouais. Il m'a dit, il n'y a pas de batterie. Il <laughs> n'y a, a pas de carte <laughs> mémoire. Voilà, elle vient de s'éteindre. <laughs> ouais, ouais. euh, donc tu peux mettre des fichiers de 2 minutes. Pourquoi Parce qu'en fait, imaginons qu'il y a un gros accident et coup, Bah Du coup, ça fait des fichiers de 2 minutes. Après, un autre fichier de 2 minutes. Donc, tu es à peu près sûr d'avoir le rush. Que là, si tu mets 10 minutes, elle va enregistrer, elle ne va pas arrêter le rush avant 10 minutes. Donc, du coup, s'il se passe quelque chose pendant les 10 minutes, de grave. On n'est pas sûr que le fichier s'enregistre automatiquement, tu vois, en fonction de la caméra. Donc, ça peut être bien intéressant de mettre des petits fichiers de deux minutes. Et l'intérêt, s'il arrive quelque chose sur la route, oh, là, 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 tu enregistres tout de suite, tu… Arrête la caméra, tu l'enlèves, tu enlèves la carte mémoire, tu la mets dans ta poche. Tu dis, voilà, le fichier est dedans parce que tu peux mettre enregistrement en boucle. Ça veut dire que quand la, mémo la carte mémoire est pleine des 32 Go, hop, ça efface et ça recommence. Ça veut dire qu'en fait, ça va faire sans cesse. Ça veut dire que tu t'en occuperas pas et tu t'en occuperas simplement s'il arrive quelque chose, ou un mec qui t'a coupé la route, ou un gamin, ou je sais pas, un chien, ou pour nous, une moto mobilette. Voilà, comme tu voudras. Donc du coup, là, on était en fin d'après-midi pour nous, 6h moins 20. Ici, on va arrêter celle-là. Je vous lance la même vidéo de nuit. Et eh bien c'est pas dégueu en fait, hein. euh, on va le voir ça, Alors, je sais pas si on peut avancer un petit peu, voilà, hop là, voilà. Donc du coup de nuit, là on est quand même bien bien dans le noir, le DJ. Donc du coup là on est bien dans l'obscurité, nous on voit bien les phares de la bagnole et on se rend compte que même si on n'a pas de l'aide infrarouge qui donnerait un petit côté violet, on voit quand même plutôt bien ce qui se passe. Alors après, est-ce qu'on voit bien sur le logiciel en zoomant les plaques d'immatriculation C'est un peu plus compliqué, hein. on n'est pas dans les experts, hein. dans les experts ils zooment 40 fois et tu as le numéro qui est écrit avec l'empreinte. Du mec qui a posé la plaque, non, là on est quand même plus dans la réalité ou bon, euh, c'est du full HD, euh, ça dépend un peu de la luminosité de l'éclairage, mais là on se rend compte qu'on voit plutôt bien. Donc là, on est au moment où on arrive dans notre village, donc c'est pas le plus intéressant. On va prendre là, on était sur la, la grande route. Voilà la grande route avec le feu. On reprend la bagnole. Bon, bah, on voit plutôt bien, hein, on voit bien ce qui se passe, on voit bien les bagnoles, on vient bien le danger et tout. Après, ce n'est pas une vision nuit, mais en fait, donc du coup, on se dit pour 30 euros, bah, personnellement, ça fait le taf. Après, est-ce que vous aurez moins cher sur Internet Certainement. Après, il y a encore un problème de qualité. Est-ce qu'on va bien voir le jour Est-ce qu'on va bien voir la nuit L'intérêt, c'est que c'est une caméra qui est polyvalente. Donc, du coup, le deal pour moi, il est respecté. Hein la caméra, bon, bah, 30 euros avec Amazon. Et c'est vraiment ça le truc qui fait Amazon. Parce que si vous la commandez sur AliExpress, bon, déjà, ça va mettre un mois. Et ensuite, s'il y a quelque chose de garantie, le vendeur, c'est en fonction du vendeur. Là, avec Amazon, t'es plutôt tranquille. <laughs> c'est plutôt des casse-couilles. Ils sont plutôt pour protéger l'acheteur. Voilà, c'est pas mal. Bon, l'appareil garanti à un an par Amazon, machin. Voilà, donc là, c'est la Sooki. Langue 120 degrés, oui. Capteur de sensibilité, on n'est pas allé jusque là, non, on est juste resté le mode. T'as eu la voiture, elle s'enregistre et as la voiture, elle s'arrête. Machin. WDR, HDR, bon, la qualité est pas dégueu, hein, même en vision de nuit. Enregistrement en book, ça, on en a parlé. Une lentille Sony MX323. C'est peut-être l'argument qui fait que, que c'est plutôt bien. Voilà, tu la mets dans la bagnole. Donc, si t'as un gros accident comme ça, ça peut être vraiment bien hein, pour les accidents, les litiges, ou si vous voulez faire, vous voulez le lancer sur YouTube et vous voulez mettre toutes les incivilités. Vu à... Bah, c'est pas vu à moto, c'est vu à auto. <laughs> vu à auto, vu sur la route, toutes les incivilités des gens. Vous faites une compilation après. Ça peut être plutôt sympa. Bon, il vous propose des cartes micro SD, nous on a mis une carte à la con. Euh... On avait une petite carte, une petite carte Samsung qu'on avait à 32 Go. Mais bon, après, la vitesse d'écriture n'est pas trop importante. Mais euh, voilà, moi, je trouve que le deal est garanti. Vous trouverez le lien dans la description, comme toujours. Si tu veux nous soutenir, nous encourager, eh ben, tu peux la partager, cette vidéo, sur les réseaux sociaux. tu connais des gens qui sont intéressés par ce genre de type de caméra. Tu peux mettre un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de cette caméra. Est-ce que pour toi, 30 euros, elle fait plutôt bien le taf Après, elle est pas, est pas la plus jolie des caméras qu'on ait vu, mais c'est pas la plus vilaine. Et en même temps, elle fait bien le, bien le taf et bien ce qu'on lui demande. Tu peux mettre un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle, on est indépendant, on ne demande pas d'argent aux fabricants. C'est-à-dire qu'on fait une vidéo, on ne leur demande pas de thunes, mais on leur demande pas d'argent, mais on reste intransigeant. Ça veut dire qu'après, si c'est de la merde, bah, on dira bah c'est de la merde. Voilà là on se dit bien on va, ça fait le taf on dit Fais des vidéos fais des vidéos ça enregistre dans le noir complet là tu vois bien je veux dire on va pas vous dire oui, mais non, 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 non après on regrettera juste qu'ils aient pas mis une ventouse ici Mais enfin vaut mieux euh, vaut mieux pas de ventouse qu'une ventouse qui colle pas en fait parce que souvent on a des ventouses qui collent pas <laughs> au moins là voilà bon ça bah, après c'est le petit côté euh, cheap euh, cheap pas cher de, euh, du dossier Bon, voilà, moi je trouve que ça fait bien, bien le taf. Tu peux mettre un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo. Tu peux nous soutenir sur Tipeee en me payant un café par exemple, comme ça on peut discuter, machin. Tu peux m'envoyer des messages, je te répondrai. Et si vraiment t'as pas de thunes et que t'as envie de soutenir l'aventure, tu peux aller sur Utip. Le lien est dans la description. Utip, c'est quoi Tu réalises une vidéo 30 secondes et moi ça me rapporte 5 centimes. Encore une fois, nous sommes le nombre, et c'est le nombre qui fera que si vous êtes plein comme ça, à dire Ah, oh, c'est pas mal Et à vouloir continuer à soutenir l'aventure en disant c'est grâce à moi que ça continue, bah, vous regardez une petite vidéo, bah, vous pouvez en regarder trois maximum. Hein. 30 secondes, petite vidéo décathlon en ce moment, comme il n'y a que ça qui tourne, et ben bah, vous soutenez là un peu l'aventure et ça nous permet nous de prospérer, de continuer, de ne pas leur demander de thunes, et quand ça sera de la merde, on leur dira c'est de la merde. Mais ils évitent un peu de nous envoyer de la merde hein, en ce moment, parce qu'ils se disent quand même, euh, si nous envoyez un truc pour se faire démonter, c'est pas trop intéressant. Quoi, quoi ça pour... Au moins ça pourrait être drôle. Par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je donne rendez-vous ce soir. Alors non, là c'est vidéo de samedi. Peut-être. Hein. Je... On est quoi jeudi Vendredi, samedi, ouais, vendredi. Donc samedi, il n'y a pas de, de la quotidienne à 16h. Mais on se retrouve demain pour un prochain produit high tech ou smartphone. Putain, j'ai trois smartphones, j'ai reçu une enceinte euh, dot design, c'est quoi ça portable dot design euh, award euh, machin truc là tu vois j'ai reçu ce matin là j'ai encore des écouteurs des casques des machins j'ai trois téléphones un quatrième qui arrive tout à l'heure j'ai des trucs pour la moto et tout oh, c'est un truc de dingue donc du coup bah abonne toi en bas à droite comme ça tu es sûr de rien louper au moins tu reçois la notification tu veux voir la vidéo tu la regardes tu veux pas la regarder bah tu la regardes pas forcément mais il peut y avoir des trucs qui peuvent t'intéresser ou que tu peux découvrir un petit peu comme ça grâce au JT du Geek euh, voilà, sur JT Geek euh, GLG vidéo P Prospérité bonne journée forcément à demain おお <Whoa. S 2>、ah. ah.